Bonjour mes amis de Maison Sainte-Marie, c'est Josée et j'ai écrit une autre histoire juste pour vous. Et c'est une histoire d'une princesse et encore je suis habillée et je suis habillée comme princesse. On commence. Il était une fois une petite princesse heureuse. Cette petite princesse aimait jouer avec ses amis. Elle aimait courir, sauter et lancer une balle. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était de courir plus vite, sauter plus haut et lancer plus loin que les autres. Elle aimait gagner. Un jour, quand elle courait, un de ses amis a couru plus vite que elle. La princesse est devenue triste, mais elle ne savait pas pourquoi. Et elle a décidé qu'elle ne voulait plus jouer. Donc, elle est partie. Un autre jour, une autre de ses amies a sauté plus haut que elle. Et encore une fois, la princesse se sentait triste. Et elle ne savait pas toujours pourquoi elle se sentait comme ça. Elle a dit à ses amies qu'elle ne voulait plus jouer aujourd'hui. Et elle est rentrée chez elle. Le troisième jour, son amie a lancé la balle plus loin que elle. Et maintenant, la princesse comprenait pourquoi elle se sentait triste. Elle était triste parce qu'elle n'était pas meilleure que ses amis et elle n'aimait pas perdre. Mais ses amis l'ont confortée et lui ont dit, « C'est normal d'être triste, fâchée ou en colère parce que les sentiments sont une façon de savoir que quelque chose nous dérange. » La princesse a dit, « Mais je n'aime pas sentir comme ça. » Un ami lui a dit, « C'est correct. Nous t'aiderons à te sentir mieux. N'oublie pas que tu es avec nous, tes amis, et que nous nous amusons tous quand on joue ensemble. Et jouer ensemble, ce n'est pas pour gagner, c'est pour nous amuser. Mais si tu veux courir plus vite, sauter plus haut et lancer plus loin, nous pouvons pratiquer ensemble pour t'aider. Mais souviens-toi que si tu t'amuses et tu joues toujours juste et tu essayes, tu es déjà une gagnante. Donc, à partir de ce jour, la princesse gâtée n'était plus triste si elle ne gagnait pas parce qu'elle savait maintenant que si elle s'amuse et elle joue toujours juste et elle essaie, elle savait qu'elle était gagnante. Quelle grande leçon on a appris aujourd'hui! Si nous nous amusons et nous jouons toujours juste et que nous essayons, nous sommes déjà gagnants. Et vous aussi, vous êtes également gagnants. Je veux que vous le disiez avec moi maintenant. On va dire « Je suis gagnant ». 1, 2, 3. « Je suis gagnant ». Bien, bien, on va le refaire et plus fort maintenant. 1, 2, 3. « Je suis gagnant ». Bien fait. Maintenant, on va faire avec les adultes. 1, 2, 3. « Je suis gagnant ». Je n'ai pas entendu tous les adultes. On va essayer encore. 1, 2, 3. Je suis gagnant. Bien fait! Et maintenant, il faut que je parte. So, je vais dire au revoir à mes amis. Mais avant que je parte, je vais entendre tout le monde dire « Je suis gagnante ». Une autre fois. 1, 2, 3. Je suis gagnante. Yay! Bien fait! À la prochaine, les amis. Passez une très bonne journée. Bye bye. Bye bye à tous.